Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment associer un téléphone portable à votre Volkswagen. En l'occurrence, on est sur une Golf, mais ça marche aussi donc sur les Polo, etc. Vous avez donc un bouton ici sur votre écran qui s'appelle Phone, donc pour le téléphone, et vous allez faire une recherche de téléphone sur l'écran ici. Vous allez voir apparaître donc les résultats. Et vous faites la même chose sur votre téléphone portable, vous faites donc une recherche Bluetooth ici et donc vous attendez de voir apparaître aussi le Volkswagen BT qui va s'afficher ici sur votre écran. Donc veillez bien, alors si là c'est un iPhone, si vous avez un Android, veillez bien à ce que la visibilité de votre téléphone soit activée, sinon l'autoradio ne pourra pas le trouver. Donc l'autoradio justement a trouvé donc notre téléphone, donc il s'appelle Saint-Cyr Automobile, vous cliquez dessus, une fois que c'est fait, eh bien l'association se fait, elle est en cours, vous avez le même numéro qui apparaît, allez, vous jumelez, et sur votre écran, vous dites oui. L'établissement de la connexion est en cours, vous allez avoir une petite notification sur votre téléphone, vous autorisez cette notification qui vous demande d'autoriser la synchronisation des contacts. Donc là, pour le coup, vous dites OK. Et puis, ben, il ne vous reste plus qu'à attendre. Maintenant, c'est fait. C'est-à-dire que désormais, vous allez pouvoir avoir votre téléphone qui apparaît donc ici. Vous allez pouvoir avoir le pavé numérique pour pouvoir composer les numéros de téléphone à votre guise. Il vous dit que les contacts donc, ont été importés. Vous faites marche arrière si vous souhaitez avoir justement vos contacts. Et puis vous faites aussi ici défiler pour voir les différents appels que vous avez eu précédemment. Si vous ne voulez pas chercher dans vos contacts, vous savez que vous avez déjà eu un appel, vous pouvez l'avoir en raccourci. Ici vous allez pouvoir ajouter un favori. Alors si vous voulez ajouter un favori, bah, c'est comme les radios en fait, hein. C'est-à-dire que vous laissez le doigt appuyé dessus, il vous ouvre vos contacts et puis ben, vous choisissez effectivement le contact que vous voulez mettre en favori, ça c'est possible aussi. Et puis ensuite vous avez donc ici les différents réglages, donc vous pouvez sélectionner le téléphone parce que vous en avez mis plusieurs mais il y en a un qui s'est connecté mais vous voulez que ce soit le deuxième, ben, vous sélectionnez le deuxième qui a été donc associé. Pour ce qui est du Bluetooth, vous lui demandez une visibilité donc permanente, vous lui demandez aussi comment il s'appelle et vous pouvez donc éventuellement changer le nom. Vous voulez voir les différents appareils qui ont été couplés et vous voulez les supprimer, et bien vous y allez par cet endroit là et vous appuyez sur la petite poubelle pour mettre supprimer et là vous avez votre appareil qui a été déconnecté définitivement. Il va falloir reprendre la procédure depuis le départ. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.